Shut up. You're going to go out there and you're going to finish Hail Caesar. You're going to give that speech to the feet of the penitent thief and you're going to believe every word you say. You're going to do it because you're an actor and that's what you do. Just like the director does what he does and the writer and the script girl and the guy who claps the slate. You're going to do it because the picture has worth. And you have worth if you serve the picture and you're never going to forget that again. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de films et de revenir sur les bons qui sont sortis le mois précédent. Donc n'hésitez pas à réagir à la fois sur YouTube, Facebook, Twitter, Sens Critique, également sur notre site festivaldesbonsfilms.com, tout attaché. Donc pour cette nouvelle émission, nous avons de nouveaux invités encore une fois. Donc tout d'abord Thomas qui vient du Bleu du Miroir. Bonjour. Nous avons Jean-Baptiste de Cinématrack. JB, bonjour. JB. Alexandre, Playlist Society. Bonjour. Et puis Marc, comme toujours, de Filmosphère et Carnet du Lieutenant Schaeffer. Bonjour. Et puis moi-même, vous pouvez me retrouver à la fois sur Filmosphère et Clone Web. Donc pour cette nouvelle mission, notre sélection tourne un peu autour de l'Amérique avec ses bons et surtout ses mauvais travers. Donc tout d'abord, nous aurons le Steve Jobs de Danny Boyle. Nous aurons Homeland Irak Année Zéro d'Abbès Fadel, puisque c'est en plus notre premier documentaire de la sélection, Ave César des frères Cohen et The Revenant de Alejandro González Iñárritu qui a été récompensé de quelques Oscars. On reviendra dessus puisqu'on n'est pas forcément d'accord sur ce film. En FDBF Classics, nous reviendrons sur The Party de Rick Edwards. Edwards, sorti en 68 et qui ressort en salle en version restaurée. Puis nous aurons notre rubrique hors compétition avec les coups de cœur ou coups de gueule de nos invités. Mais tout d'abord, en ouverture, un petit débat sur, qui est d'actualité justement sur l'utilité des cérémonies cinéma juste après donc les fameux César et les fameux Oscars. De l'utilité des cérémonies cinéma. Donc chaque année, donc, les cérémonies ont leur lot de prix, de favoris, d'injustices, de lobbies, de polémiques. Manque de représentativité de toutes sortes, jugé trop élitiste ou trop populaire, souvent ringarde. Donc c'est pour cela que nous avons intitulé ce débat donc, de l'utilité des cérémonies en cinéma, savoir est-ce que ça sert encore à quelque chose de remettre des prix à des films, de quelle manière ils sont remis, est-ce que c'est mérité ou pas, est-ce qu'il y a des choses à revoir ou pas. Marc, déjà, pour faire simpliste, est-ce que c'est seulement du copinage, magouille et compagnie, ces cérémonies ? Bah, y a un point qui est important, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est différencié quand on met des récompenses, c'est forcément les cérémonies des festivals, c'est pas la même mentalité. En festival, on promeut des films qui sont pas encore sortis, ou peu sortis en tout cas, après ça dépend des festivals évidemment. Et dans les cérémonies, on récompense des films qui sont déjà sortis dans le courant de l'année. En festival, on sait que tous les votants auront vu les films. En cérémonie, c'est pas forcément le cas. Il faut créer confiance aux gens pour qu'ils aient vu les films pour lesquels ils vont voter, etc. Et évidemment, ils n'ont pas toujours vu. Et ils votent quand même. Et parfois, ils votent même pour des films qu'ils n'ont pas vus. Alors, il y a toujours une part de subjectivité, parce que ce sont des gens, ce sont des êtres humains qui votent, donc ils ne sont pas censés refléter une objectivité quelconque. Ça n'a pas de sens. Mais bon, ça vote les Césars, en tout cas. C'est connu un petit peu pour le copinage qu'il y a entre les gens. Lui, je l'aime bien, je vote pour lui. Lui, je l'aime pas, je vote pas pour lui. Il y a des chouchous, il y a des gens qui sont bien aimés. Honnêtement, la cérémonie de 2012 sur les films de 2011, celle où je crois que c'était Intouchable, Omar Sy qui avait eu César du meilleur acteur, tu vois. Je veux pas forcément remettre en question Intouchable ou Omar Sy, etc. Mais honnêtement, tout le monde a voté pour Omar Sy parce que tout le monde aime Omar Sy. Je doute sincèrement que quelqu'un, en son âme et conscience, se soit dit Omar Sy, le meilleur acteur français de l'année 2011. Ou ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas, par rapport à la représentativité qu'il y a justement dans ces cérémonies-là, dans les films que ça représente? Parce que aux Oscars, justement, enfin, les Américains, pour leur cérémonie, ils font leur calendrier des sorties en fonction. Et souvent, les films qui sont nommés, en tout cas nommés, sont souvent des films qui ont un minimum de succès.
Je pense que les Césars, pour différencier les Césars et les Oscars, il y a peut-être encore une représentativité plus intéressante, on va dire, aux Césars. C'est plus varié. On est moins dans le lobbying. Après, effectivement, il y a, comme Marc disait, la question du capital sympathie d'un comédien, d'un film. Tu cites Intouchables. Moi, j'ai envie de reparler de Guillaume Gallienne. Hein, on va dire que je radote, mais Guillaume et les garçons à table... Peu importe la sympathie qu'on a, c'était quand même autre chose, la vie d'Adèle. Mais on sait que Kechiche n'a pas l'amitié de la profession. Donc, est-ce que c'est représentatif? Je ne pense pas. Je crois que de toute façon, dans la question, on avait presque déjà la réponse. Mais les Césars peuvent aussi permettre d'offrir un coup de projecteur sur un film qui peut voir sa fréquentation augmenter. C'était le cas, donc ça va être aidé, je pense, pour Fatima. Ça a été le cas l'année dernière pour Timbuktu. Même certains nominés, Mustang ou Much Love, vont peut-être avoir une poursuite en salle intéressante ou même en vidéo. Pour les Oscars, là, on va dire, c'est quand même la grosse machine. C'est du lobbying. C'est justement, tout est prévu en fonction des Oscars. C'est pour ça que voilà, qu'on a des films à Oscar qui sortent à telle période. Tout est calculé pour ça. Et puis après, la promotion, la campagne, c'est un long marathon. Donc moi, effectivement, je les regarde. Moi, j'assume. Je regarde l'un comme l'autre. Effectivement, souvent, plus pour le fun qu'autre chose, parce qu'on sait très bien à quoi s'attendre. Mmh. 4 heures de fun au César, quoi. Voilà, c'est ça, le fun. Avec le whisky, ça passe. Le fun des Césars, avec cette salle toute petite. Très calme. Mais je pense qu'il y a du bon comme du moins bon. Effectivement, tout ça, c'est assez futile. Ça reste un gratin, c'est un peu de l'entre-soi. Mais il ne faut pas négliger le fait que ça peut booster certains films. En France, en tout cas, aux États-Unis, je ne sais pas trop. Mais... Toi, JB, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça reste vraiment que de l'entre-soi, de l'auto-promo pour satisfaire quelques égos Bah, j'ai du mal à me prononcer, étant donné que je ne suis pas du tout un fan des Oscars et César. Donc pour ma part, je ne regarde jamais. Ça ne m'intéresse pas du tout, si ce n'est pour créer des jeux où, avec des petites grilles, on dit à tel moment, Elsa Zilberstein va remettre un prix. C'est bien parce que ça permet de voir Elsa Zilberstein des Césars. C'est vrai. Quand même quelque chose d'assez génial. Sinon, il y a sûrement une histoire de lobbying. La grosse différence avec les festivals, moi, je pense, c'est que dans les festivals, tu as des jurys que tu connais. Dans les Césars et les Oscars, c'est des entités fantômes qui votent. Des gens de la profession qui votent sûrement pour des anciens collègues, etc. Donc, non. De toute façon, ça ne me passionne pas et généralement, c'est le film que je supporte le moins qui gagne. En plus, l'un des problèmes, c'est que ceux qui votent, c'est des producteurs, des acteurs, des comédiens, des techniciens. Or, justement, il y a un petit problème, c'est ça qui est assez drôle, ça reprend un petit peu l'expression, c'est les coordonnées qui sont les plus mal chaussées, parce que ceux qui voient le moins de films, ce sont ceux qui travaillent dedans. Et justement, ceux qui doivent voter pour les films, en tout cas les meilleurs acteurs, les meilleurs costumes, tout ça, ce sont ceux qui ont vu le moins de films qui doivent voter. Justement. C'est un peu comme l'employé du mois, en fait. Voilà. On vote pour l'employé du mois au sein de l'entreprise. Mais après, sauf que ça passe à la télé. Quoi. Après, c'est... comme tu disais, Marc, justement, on vote souvent pour les amis ou des fois pour des films qu'on n'a même pas vus. Tu vois, je vais prendre un exemple qui, je sais, tient à cœur à Alexandre. C'est, tu prends le meilleur documentaire, donc catégorie où, qui a été remporté par Demain de Mélanie Laurent. Et en face, il y avait un film comme Le Bouton de Nacre de Patricio Guzman. Et la question, c'est pourquoi Mélanie Laurent a gagné? Est-ce que parce que son documentaire est mieux? Bon, peut-être, admettons, j'en sais rien. Est-ce que parce que c'est Mélanie Laurent, parce qu'elle a des amis et qu'on l'aime bien, tu vois? Ou est-ce que, encore autre chose, simplement, les gens n'ont pas vu Le Bouton de Nacre? Et c'est ça le problème, c'est est-ce que les gens ont vu ne serait-ce que Le Bouton d'Or, est-ce qu'ils ont vu autre chose dans la catégorie documentaire, est-ce qu'ils ont vu autre chose que Demain, qui, si je ne m'abuse, je pense, était le plus médiatisé de tous les documentaires qu'il y a eu dans la catégorie. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils voient ces films, et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il faut qu'ils les voient, et les voir, donc pour les distributeurs, ça coûte une fortune, alors je ne sais plus combien ça coûte. Mais c'est pas une excuse, ils ont tous un joli coffret. Oui, mais le problème, c'est que les DVD sont à la charge du distributeur. Ah oui. Et ça fait. Il y a des problèmes, c'est que tu vois par exemple le distributeur de Patricio Guzman, c'est pas forcément un grand distributeur, etc. Et des envois DVD qui coûtent donc 70 000 euros à envoyer à des membres qui ne le regarderont pas. Tous les éditeurs, tous les distributeurs, je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre, etc. Et donc en fait, c'est un vote où personne n'est à égalité. Alors que dans un festival, tout le monde est à égalité, tout le monde découvre les films plus ou moins en même temps. Et le truc, c'est qu'il faudrait réussir à repenser
les cérémonies, parce que ce que tu disais, ce qui est bien, c'est de redonner un second coup de projecteur à des films qui sont déjà sortis, qui méritent. Là, j'imagine que ça va être le cas un peu avec Mustang, qui a quand même récolté quelques trucs, et je suis très content pour lui. Après, on notera quand même que c'est jamais des films totalement inconnus, parce que même quand tu parlais de Timbuktu, il avait déjà été sous les projecteurs à Cannes, etc. Il n'y a jamais de trucs qui sortent de nulle part. Mais donc c'est quand même bien, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi bien de refaire un bilan, c'est aussi pour ça que nous tous on fait nos tops, ça permet de faire un bilan de l'année, ça permet d'en discuter, etc. Mais je pense qu'il faut le repenser plutôt que d'avoir un truc trop inégal comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, Alexandre ? Je sais pas, parce que moi en fait je différencie deux choses assez distinctes. Je suis assez peu intéressé par le meilleur réalisateur, le meilleur acteur, machin, parce que vous en avez parlé. Par contre, ça peut être une manière de récompenser des techniciens. Ouais. Et en fait, ce qui intéresse peu les gens, le public, moi, m'intéresse, c'est-à-dire le meilleur monteur, le meilleur chef-op, la meilleure musique. Ça, ce sont des prix, c'est les fameux travailleurs de l'ombre, où on te fait des discours pas intéressants en présentation. Mais eux, pour le coup, eh ben, avoir un César, quand t'es un preneur de son, quand t'es un chef-op, quand t'es un compositeur de musique, quand t'es un costumier, ça va te permettre de travailler, ça va te permettre d'être reconnu par le métier, ce qui fait quand même plaisir. Ça va quand même être autre chose. Et c'est aussi vrai pour les Césars que pour les Oscars, d'ailleurs. Ouais. Même s'il y a du lobby là-dedans. Il y en a moins sur la technique. Il y en a quand même moins sur la technique. Et même sur des effets spéciaux, même si c'est soumis à débat, c'est aussi dire, voilà, sur le gap technologique, on récompense ça. Et moi, ça m'intéresse plutôt, ça. Pour le coup, il y a les mêmes problématiques sur est-ce que j'ai vu le film ou pas. Mais le regard est peut-être un peu plus objectif. On récompense moins les copains, encore que. Encore que. Mais ça fait plaisir de voir que Warren Ellis a un César. Ouais. Ça fait plaisir de voir qu'Ennio Morricone en a enfin un, même si ça fait peut-être un peu copinage, parce que, enfin, un peu récompense, parce que la musique qu'il a fait pour... En effet, ce qu'il te plaît, c'est ça ? Non, aux Oscars, il a eu Oscar. Ah, je pensais que tu parlais du César. Parce qu'en en fait, il y a 20 minutes de création originale, une bande rejetée, mais on s'en fiche finalement, parce que là, on a affaire à un musicien qu'on récompense, un grand musicien. Là, ça m'intéresse plus. Après, meilleur acteur, meilleur réal, en plus avec une aberration en France comme aux États-Unis ou ailleurs, c'est meilleur réal et meilleur film. Moi, je comprends pas des fois la différence. On pourrait la faire, mais dans les faits, Après, aux États-Unis, eux, ils font cette différence-là où en fait, meilleur réalisateur, c'est la mise en scène, et le meilleur film, c'est la meilleure production, en tout cas. Justement, aux États-Unis, c'est les producteurs qui viennent chercher l'Oscar du meilleur film. C'est jamais le réalisateur. Donc, et ça, il faut cette différence-là qu'en France, le César du meilleur film, c'est souvent le réalisateur qui vient et des fois accompagné du producteur. C'est vrai que c'est toujours marrant de voir que le meilleur réalisateur ne fait pas forcément le meilleur film. Oui. C'est assez drôle dans l'idée. Oui, ou de voir que Fatima a eu le César du meilleur film et que Philippe Faucon, je crois, si je ne dis pas de bêtises, n'était même pas nommé dans la catégorie réalisateur. Exactement. Voilà. Et pour revenir aussi sur les types de nominations, en France, il ne faut pas faire un trop petit film, aucune chance, et pas un trop gros film. Très peu de chance. À part un touchable et tout, mais c'est très rare. Une grosse production Gaumont, elle y va finalement assez rarement. Luc Besson n'ira pas. Après, peu importe des qualités intrinsèques ou quoi que ce soit. Il faut être un peu entre les deux. Et aux États-Unis, après, bon, il y a un format film Oscar, on en a déjà parlé. Après, moi, je me pose quand même la question, en tout cas pour les Césars, puisque c'est quoi un film français ? Puisque donc, cette année, on avait notamment 2 films sur 5 dans la catégorie du meilleur film étranger qui était francophone. Fils de Saul, notamment. Il va francophone, mais il devait réussir en France. C'était coproduction, bah là, ça compterait comme 3. Non, mais notamment, l'an dernier, on a eu Timbuktu qui a été récompensé, ou cette année, Mustang. Et en fait, le seul truc qui était français dans le film, c'était le financement, c'était l'argent. Comme Mustang, d'ailleurs. Et Mustang, ça raconte énormément de choses sur la Turquie. Alors, et tout ça. C'est pas pareil. Mustang, je fais juste une pause. Mustang, je suis pas d'accord avec toi, parce que la réalisatrice, elle est vraiment française. Les deux scénaristes sont françaises. Elle a fait pour ça d'ailleurs que Thierry Frémaux, pour la sélection cannoise, évite de parler des nationalités des films. Voilà. Il dit, moi, vous savez, la nationalité des films. Après, ça devient, plus ça évolue, plus ça devient complexe. Genre, bon, je vais faire une parenthèse du coup sur la nationalité des films, mais genre, Youss, c'est quelle nationalité, quoi ? C'est pas italien, c'est pas suisse. C'est pas nouveau, ça, il y a toujours des coproductions. Oui, je sais, mais ça devient de plus en plus avec maintenant qu'on fait vraiment de plus en plus de coproductions européennes, enfin, on essaie d'en faire, qui sont moins. Avant, il y avait vraiment les films franco-italiens, les films franco-allemands, maintenant, c'est vraiment très mélangé, tu vois. Donc, non, mais après, moi, qu'est-ce qui m'empêche, juste en tant que producteur français, par exemple, d'aller débaucher Steven Spielberg, des grands acteurs, faire un film tourné en anglais à l'étranger, mais avec de l'argent français, et ensuite rafler toutes les prochaines statuettes au César. Et surtout, il me semble que, par exemple, cette année, le Tout Nouveau Testament, je crois que c'est complètement produit par les Français, ou quasiment, c'est peut-être tourné à Bruxelles et tout, mais... Il était dans la catégorie de meilleur film étranger. Mais je veux pas dire dinguerie, mais je crois que c'était pareil pour l'année précédente, ou il y a 2 ans avant, où il y avait les Dardenne qui étaient en compétition avec 2 jours et 1 nuit, qui étaient en meilleur film étranger. Alors évidemment, les Dardenne produisent eux-mêmes leurs films, mais le film, il était...
je sais pas majoritairement, mais significativement coproduit par la France, tourné en français, etc. Ouais. Alors évidemment, c'est une histoire belge, ça se passe en Belgique, mais c'est tourné en France, il y a une actrice française, etc. Et ça arrive quand même dans la catégorie au meilleur film étranger. Après, le problème, c'est que en face, t'as les Oscars qui, eux, résonnent de manière qui est pas forcément meilleure, qui est peut-être tout aussi absurde, c'est la langue. Et t'as deux films, t'as les films en langue anglaise, en langue américaine, puis t'as les films étrangers, parce que ce qui engendre des trucs un peu bizarres, parce que il y avait cette interview rigolote de Léo Scarrax qui disait « Bonjour, je m'appelle Léo Scarrax et je suis réalisateur de films étrangers. Et je fais des films en langue étrangère, donc c'est compliqué parce que personne parle la même langue et tout. » Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, du coup, qu'est-ce qui se passe si tu fais... c'est assez aléatoire. Parfois, il y a des films qui sont pas en langue américaine, qui sont pas en langue anglaise, pardon, qui sont genre La Môme, par exemple. C'est bizarre, ça aurait dû être un film qui aurait dû être uniquement meilleur film étranger. Marion Cotillard s'est retrouvé, on ne sait trop comment, bon, évidemment, il y a les Weinstein qui sont passés derrière, je crois. Mais et le problème, c'est que le système américain, il est mal pensé aussi. Donc, je sais pas quel est l'équilibre entre les deux. Ça dépend des situations. Je pense que c'est un peu du cas par cas souvent, puisque en fonction des lobbies, ça peut changer. Mais est-ce que la situation est vraiment impossible à réformer ou, non, elle n'est pas impossible, mais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, JB, par exemple? Après toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Parce que justement, tiens, toi, ça ne t'intéresse pas. Dis-moi. Comment t'intéresser? Voilà. Comment m'intéresser au César toi, et aux Oscars? Toi, cinéphile, comment t'intéresser? Eh bien, m'intégrer dans le process de vote. Faire voter les gens, peut-être ouvrir à plus de gens la possibilité de donner leur avis et de contribuer à ces récompenses. Peut-être le public, c'est un gros mot pour ces cérémonies-là, mais j'ai vraiment l'impression d'un entre-soi. Mmh. Et c'est pour ça, je pense, que la plupart des gens, à mon instar, sont complètement pas intéressés par ça. Alexandre, tu penses aussi que faire voter le public, ça participerait à changer un peu la chose? J'aurais peur des résultats quand même, hein. C'est probable. Et alors, à la limite. Les nouvelles aventures d'Aladin, meilleur film. Bah voilà, non, mais Kev Adams aurait déjà eu. C'est une autre forme de lobby, mais bon, de toute façon, ça sera du lobby. À partir du moment où il y a vote, il y aura lobby. Oui, mais on peut estimer que les Césars peut être un tremplin économique. Mmh. Et peut servir à des films qui n'ont pas la visibilité toujours suffisante, même s'ils en ont une. Alors que je pense pas que les nouvelles aventures d'Alain en aient besoin. Comme tu dis, c'est pas des petits films, c'est des moyens films. Oui, en général, mais c'est des moyens films qui sont pas forcément rentables, parce que le nombre de films qui sont rentables, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que quand tu vois demain qui récolte le César du meilleur documentaire, je crois qu'il y avait le Ritipan aussi qui était nommé. Oui, il y avait le Ritipan, ouais. Et bah c'est parce que à partir du moment où les mecs ont reçu la liste de vote, ils ont eu affaire à un choix binaire, est-ce que je connais les documentaires ou pas? Si je connais pas, je vais voter pour le nom que je connais, quoi. Et de fait, tu tombes sur un choix binaire qui est souvent le cas, ça a dû être à peu près pareil aux Oscars pour DiCaprio, on vote pour ou contre DiCaprio, et ça fait que t'as une chance sur 5 qui passe à une chance sur 2 de gagner. Donc de toute façon, oui, c'est pipé. Et toi Thomas? Disons que effectivement, mais après ça serait quand même assez compliqué de mettre en place un système de vote pour le public. Des mais on peut se poser la question de est-ce que les votants représentent les choix des Français, pour parler des Césars. Est-ce que les votants représentent les goûts du public français? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, même si oui, on pourrait avoir peur des résultats. Mais voilà, ça dépend aussi à quoi servent les Césars. Est-ce qu'on récompense? Est-ce que ce sont les gens de la profession qui récompensent le travail d'autres personnes de la profession? Donc, on est intéressé ou pas par les prix des acteurs, etc. Mais effectivement, moi, je suis très content de voir la monteuse de Mustang pour son premier film récompensée. Ça va certainement donner un coup de pouce à sa carrière. Elle a 25-30 ans à tout casser. Ça peut être intéressant pour ça. Les Oscars, c'est encore plus différent parce que là, on a vraiment un prototype du votant, plus de 60 ans. Donc déjà, on ne peut pas aller dans des films ultra novateurs. Après, ils ont dit qu'ils allaient changer leur système. Donc à cause de la polémique, on va voir ce qu'elle va donner. Mais il ne faut pas non plus prendre le chemin opposé parce que je pense que la cérémonie, comme là, on enregistre l'émission après les Oscars, ça a été quand même un peu lourdingue. Hein. On a pris le contre-pied opposé. On ne peut pas tomber que dans du film afro-américain l'année prochaine. Voilà, donc simplement, il faudrait que ce soit mixte et puis le problème, il est plus ancien, quoi. Il remonte pas qu'au. Puis il va en dehors du simple cinéma. Je pense, voilà. Voilà, donc on verra comment ça évoluera d'ici l'an prochain. Mais d'ici là, je vous conseille donc l'article d'Olivier Brune dans Les Échos sur mais à quoi peuvent bien servir les Césars. Donc un petit article enquête justement qui pose un petit peu le pas les questions qui fâchent, mais un petit peu, est-ce que ça sert au film, est-ce que ça sert aux acteurs, est-ce que ça sert vraiment à la promo? Voilà, donc pour le coup, on aura fait le tour des cérémonies, donc est-ce que c'est utile? Oui, mais à quoi ça sert? En attendant, nous, on attend l'an prochain pour les prochains films et on continuera de parler de bons films d'ici là.